tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo promotion beauté Leclerc. A tout de suite. Alors, comme j'ai dit en intro, j'ai fait les promos beauté Leclerc et j'ai trouvé des petites pépites, des choses que j'avais très envie de tester et que j'ai profité d'acheter avec les promos beauté. Par contre, je m'excuse, je n'ai pas les prix promotionnels et j'ai perdu mon ticket. Donc, je ne peux pas vous donner les prix. Il y a certains que je me souviens à peu près, donc je pourrais vous dire, mais pas plus que ça. Alors, déjà, pour mon mari, je lui ai acheté la... on va dire... tondeuse à barbe de la marque Philips, la gamme One Blade. Alors, je vais vous la sortir dans l'emballage plastique, enfin du moins le cache de devant, parce que ça brille. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci. Je sais qu'en ce moment on voit grave la pub où on voit la personne qui fait la pub. Elle se rase la barbe, après le torse, etc., etc. Donc elle a l'air d'être assez efficace. Et je lui ai racheté pour aller avec des recharges. Donc ça, il y a le plastique. La tondeuse, elle m'est revenue autour de 14-15 euros. Et les recharges, pareil. Et la tondeuse avait une valeur d'une quarantaine d'euros. Et les lames supplémentaires, les recharges, autour de 25 euros. Donc autant dire que ça, c'était une belle affaire. Vraiment une très 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 belle promo. Pour rester dans les appareils, hein, c'est-à-dire... Moi, je me suis acheté une tondeuse. C'est pas vraiment une tondeuse, mais voilà, pour le bikini. Et elle peut faire aussi le sourcil. Enfin, vraiment nettoyer un petit peu, je pense, le haut du sourcil, la longueur du sourcil. Ça va être intéressant. Et elle a une petite tête, par exemple, pour faire les aisselles, si... voilà, pour des petites retouches, je pense que ça peut être pas mal. Donc, c'est une brune. Elle est à pile. Par contre, ce qui est bien aussi, celle de mon mari, elle est à batterie. Donc, la Philips était à batterie. Oui, pourtant, je l'ai ouvert pour vérifier que tout allait bien. Mais les plastiques font... Je le défais, je reviens et une fois, je l'ai réussi à le sortir. Enfin, j'ai réussi à le sortir de sa boîte. Donc... voilà comment il se présente. Je vais essayer de... voilà. Parce que comme j'ai ma lumière, j'ai l'impression de vous éblouir. Enfin, de vous voyez rien. Donc ça, c'est la petite tête. Pour, par exemple, les aisselles, le bikini pour faire les retouches. Moi, je l'ai testé sur le bras pour voir si ça testait ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop, ouais, elle fonctionne très bien. Hein. Donc ça, c'est la tête... la grosse tête. Et je vais vous montrer les petits accessoires. Parce que vous avez des sabots comme une tondeuse pour homme en fait. Vous pouvez clipper dessus. Alors, je ne sais pas à quoi correspond chacun parce que j'ai pas regardé au niveau de la hauteur. Voilà le premier. Et une plus petite. J'imagine que ça c'est une taille on va dire de tonte, je sais pas si c'est pas très vraiment le bon terme, je pense. Et la deuxième, donc hop, vous faites pivoter, hop, et hop, vous avez la petite tête qui descend. Vous avez la deuxième pour le sourcil, hop, il y a son petit cache, et pareil, hop. Alors, je sais plus quelle marque avait fait aussi ça, mais elle était extrêmement chère. Et même pour les promos beauté de l'année dernière, je la trouvais trop chère. Et je ne l'étais pas achetée justement parce que je la trouvais trop chère. Elle était autour des 30 euros. Et là, je l'ai payée 18 euros à peu près avec la promo. Hein, parce que je pense qu'elle doit être autour des 35 euros à prix fort, je pense. Peut-être un peu plus cher que ça, je ne sais pas trop. Parce que j'ai pas vu le prix, moi j'ai juste vu le prix promotionné et du coup voilà. Elle est vendue avec une petite pochette pour mettre tous les accessoires et vous avez aussi un petit pinceau pour nettoyer les têtes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la marque Bioré des patchs purifiants en profondeur, édition limitée. Donc elle était au même prix que l'édition classique, donc j'ai dit bah tiens, je vais prendre la version fun, un petit peu zèbre. Alors, j'ai pas du tout ouvert. Et parce que j'ai l'emballage zébré, mais je pense que l'intérieur, ça va être aussi... quoique, je sais pas. C'est des classiques, en fait. C'est le plastique.
je verrai. Je vous en donnerai mon avis quand j'aurai testé, parce que j'ai jamais testé les Bioris, qui paraît sont géniaux. Donc là, je vais faire un essai. S'ils sont bien, je pense que je reprendrai une ou deux boîtes si c'était pas très cher. Je pense qu'ils passaient à 2 euros et quelques. Donc ça peut valoir le coup. Pour mon mari, je lui ai acheté du gel de la marque. C'est Schwarzkopf, donc c'est la gamme Tal. Taf. En fixation forte, donc la numéro 3. Sachant que ça va jusqu'à la fixation 8. Donc, et j'avais vu le mot, mais c'était genre... c'était même plus extra fort, c'est un truc de ouf. Donc lui, ça, c'est un effet mouillé. Et voilà, c'est ce qu'il recherche. Ça lui suffit très bien. Voilà, donc c'était par deux. Et j'ai plus, par contre, là, j'ai plus du tout les prix. J'ai repris des bains de bouche Listerine. Là, j'en ai pour un moment. J'ai 4 bouteilles. J'ai pris de l'eau de 2. Et il me restait une bouteille de dernière fois. J'avais acheté à Action. Et ils étaient, je crois que c'était presque un peu plus de 4 euros les deux flacons. Sachant qu'en temps normal, c'est 4 euros le flacon. Donc ça fait à peu près 50% de remise. Donc j'ai pris fraîcheur intense et goût plus léger, protection des dents et gencives. Voilà, le vert. Donc ça, je sais que c'est les bains de bouche qui préfèrent. Je trouve que c'est les meilleurs. Après, j'ai pris lait pour le corps, hydratation intense peau sèche de la marque Neutrogena, le maxi format. Donc c'est 400 ml et ils étaient autour des 1,50€, moins d'un euro cinquante les 400 ml. Sachant qu'il était moins cher que ceux de la gamme Le Petit Marseillais. Donc c'est vrai que c'est un odeur neutre, Neutrogena, mais c'est pour le quotidien, c'est très bien. Pour hydrater genre les coudes, les tibias, tout ça. Et même mon mari préfère des choses neutres. Donc comme ça, au moins, ça plaît à tous les deux. En gel douche. Pour moi, je me suis acheté les Sanex. Je reprends toujours Sanex. Je sais que c'est pas une compo qui est hyper clean. Mais moi, ils me conviennent très bien. Moi, je pense que c'est plus les parfums qui me dérangent au niveau de la peau. Parce que c'est avec les Sanex, je me gratte pas. L'autre fois, j'ai essayé. Dans la salle de bain, il me reste un fond de... je sais plus quelle marque. Mais ça va me revenir. Qui est parfumé. Et ben, je suis sortie de la douche, je me suis essuyée et je me suis grattée quasiment de suite quoi. C'est un cottage. Cottage caramel et je le supporte pas, il me gratte. Donc là, j'ai pris celui-là. C'est le douche crème. Apaise les démangeaisons, soulage les sécheresses sévères. Donc c'est pour peau réactive à tendance atopique. Je sais pas ce que ça veut dire atopique au niveau. Je pense que ça va être qui très très sèche, mais moi, je plutôt pour peau réactive. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Toujours chez Sanex, donc j'ai acheté l'huile de douche, pareil, peau réactive à tendance atopique. Voilà, donc bon, j'ai pas testé ces deux de la gamme, je me dis bon, pourquoi pas. C'est des 450 ml. Genre, de toute façon, je crois qu'à Leclerc, j'ai pas vu les gros bidons, mais c'est vraiment pas pratique. C'est vrai que ça revient moins cher parce qu'au niveau quantité, mais voilà, il faut avoir un litre de gel douche, c'est quand même haut comme ça. Je trouve ça pas pratique, mais bon, après, voilà. J'ai pris des Head & Shoulders. Donc c'est pas mon shampoing fave, hein, parce que mais c'est vrai que si je veux faire éclaircir ma dégorger ma couleur rapidement pour surtout qu'en ce moment bah, vous m'avez vu passer par toutes les couleurs de la terre, hein, c'est assez pratique et j'ai essayé avec un anti-pelliculaire de la gamme Leclerc, ça marche moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai profité des promos beauté Leclerc pour acheter du Head & Shoulders. Voilà. Donc c'était un lot de 3, pardon. Et c'est les classiques. J'ai pas pris zéro parabène, zéro phosphate, zéro paraffine. C'est le senteur classique. Et j'ai pas pris avec des mélanges. Parce que j'aime pas les deux en un. Voilà, je prends jamais deux en un. De la gamme John Frieda, j'ai pris un soin des mélanges éclaircissants. Donc c'est pour en fait rendre mon blond un peu plus uniforme. Donc j'ai pris deux et j'ai pris un shampoing. Le shampoing, j'en ai pris qu'un parce que j'en ai encore un neuf dans le placard. Donc du coup, voilà, j'en ai pris qu'un. Ça suffit, sachant que c'est des shampoings qui durent une éternité. J'en fais pas tous les jours de ces shampoings-là, donc voilà. Pour mon mari, j'ai pris de l'eau de gel douche de la gamme, de la marque Fa Men. Voilà. C'est shampoing et c'est corps et cheveux. Voilà, deux en un. Alors, un, c'est fraîcheur énergique. Jante à la taurine, ça sent très bon. La taurine, je sais pas ce que ça vaut, donc
Voilà, je ne demande pas. Je pense que c'est plus le côté marketing. C'est le côté le taurine, c'est marketing. Hein. Voilà. Le deuxième, c'est toujours des lots de 3. C'est le Farmen Extreme Cool au menthol fraîcheur polaire. Pareil, 2 en 1. Corps et cheveux. Donc voilà, c'est pratique, il aime bien. Il fait, il n'a pas besoin de 36 choses. Ça lui convient très très bien. Pour mon mari, je lui ai pris des déodorants Menen Ice Fresh déodorant 24 heures en stick. Voilà, parce qu'il préfère en stick. Donc on a profité. Voilà. Après, j'ai fait tomber des trucs derrière moi. Parce que j'ai vraiment craqué sur pas mal de choses. Mais voilà, des choses que je sais que j'avais besoin. Après, j'ai acheté de la gamme Léa Nature, enfin la marque Léa Nature gamme Sobio Éthique. La crème hydratante Hydra Aloe Vera. Donc c'est un soin nutritif réparateur hypoallergénique. Pur jus d'aloe vera, bio, beurre de karité bio, peau sensible et réactive, sèche à très chef, à très sèche, pardon. À 99% d'origine naturelle, zéro parabène, zéro silicone, parfum de et zéro parfum de synthèse. Donc c'est celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez grand-chose avec les lumières. Je vais vous la retirer de la boîte, je pense que vous verrez mieux parce que j'ai l'impression que la lumière se reflète sur le carton. Oh, c'est encore pire. Et elle ne fait pas le focus, je sais pas. Bon, j'espère que vous avez pu voir. Donc j'en ai acheté 2 parce que si ça me convient, en général ça fonctionne par cycle de 2. Et comme étant en promo, je dis bon bah si ça marche pas, je pense que je pourrais l'offrir à ma grande soeur. Elle pourra s'en servir. Voilà. Et j'ai pris dans la même gamme le contour yeux. Voilà. Et je me suis dit bah tant qu'à faire dans la même gamme. Alors j'ai pas senti, j'ai pas ouvert comme j'ai encore un contour des yeux d'entamer. J'ai ma crème hydratante d'entamer. Je voulais pas les ouvrir pour pas les abîmer. Alors, dernier produit cheveux. Je me suis acheté, bah, ça fait un moment qu'ils sont sortis, que je les voyais partout, j'avais envie de les tester. C'est les Garnier Fructis Air Food. Donc j'ai pris un banane. J'ai pris banane et j'ai pris le nouveau, tout nouveau, c'est celui à l'aloe vera. Voilà, donc celui à l'aloe vera, j'ai pas senti. Mais ça sent mais super bon, ça sent le soin propre, vraiment c'est fruité, c'est très très doux. Et le banane, je sais pas encore. Et ben, ça sent vraiment la banane. J'ai une collègue qui l'a testé, elle m'a dit, tu verras, il est fabuleux. Ça sent extrêmement bon et j'ai hâte de tester du coup. J'ai pris un peu de make-up, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup. J'ai acheté chez Maybelline les Super Stay Matte Ink. Donc j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris celui-ci. Donc c'est la couleur 15. C'est Lover. Donc ils mettent Fini Matte Longue Tenue. Donc, alors, ceux-là, c'est vrai que j'avais envie de les tester depuis un bon moment. Et là, ils passaient à 5 € pièce. Ça valait grave le coup. Du coup, j'ai dit, allez, j'en prends 2. Je prends 2 couleurs différentes. Et voilà. Pareil, je vais ouvrir le deuxième hors caméra parce que sinon, ça va vous rendre dingue. Hein. J'ai un peu entendu de 100 ans. Et je reviens. À tout de suite. Alors, me voilà. Donc, j'ai profité pour ouvrir le deuxième. Donc, le premier, c'est comme je vous disais, la couleur numéro 15. Je vais vous la swatcher. Parce que du coup, je ne les ai pas, bah, comme vous pouvez le constater, je ne les ai pas du tout ouverts. Et j'avais hâte de faire cette vidéo pour vous les montrer et les tester. Alors bon, le pinceau est en forme de petites gouttes. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, en tout cas sur la main, c'est un bonheur, c'est crémeux, c'est tout doux. Voilà, le pire swatch de la terre. Pardon. Et j'ai pris un autre. Donc ça, c'est un nude, c'est un rose un peu nude. Et c'est le genre de nude que je pense que je peux porter parce que je trouve ça joli. Parce que je suis pas très nude, je suis plutôt des rouges à lèvres plutôt rouges. Il n'y avait pas, il n'y avait que des nudes et un. Enfin, c'est ce qui restait, il ne restait plus grand chose. Et la couleur 40, donc c'est la couleur Believer. Donc l'autre c'était Lover. C'est, alors dans le packaging, il met. C'est vraiment un violet très foncé. Par contre, sur l'étiquette du. Enfin, la
touche couleur, c'est pas du tout ça. Donc on va voir quand je vais l'ouvrir. Alors c'est très violet par contre, hein, sur... on va essayer de faire mieux. Ça n'a rien à voir avec la touche couleur qu'il y a sur le packaging, rien à voir, ça ressemble plus au à ce qu'il y a sur le plastique de la... Voilà. Oui, je sais, c'est... j'ai fait un swatch dégueulasse, désolée, on critique pas, je suis nulle. Après, ils étaient autour de 5 €, enfin, ça valait vraiment le coup et j'avais tellement envie de les tester. Et j'ai acheté, donc pareil, de Maybelline, le Tattoo Liner. Donc crayon gel, tenue 36 heures, waterproof, ne coule pas, ne transfère pas, couleur intense. Texture crayon onctueuse, effet tatouage. Donc c'est celui-là. Donc j'en ai acheté deux. Deux pour moi et un pour ma maman. Voilà, parce qu'elle aussi elle les cherchait, elle les trouvait pas. Et donc je vais vous le swatcher. Donc j'ai pris noir, de toute façon il n'y avait que noir. Très clairement. Alors c'est très très crémeux. Très crémeux. Moi qui suis pas douée en liner, je sais pas si avec ça j'arriverai à faire un liner parce que c'est tellement crémeux. Par contre, il est vraiment très très noir. J'aime beaucoup. Donc maintenant, est-ce qu'il est vraiment waterproof, etc., etc. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis très très contente de mes achats. J'ai pas tout trouvé ce que je voulais, parce qu'il me manquait des shampoings, mes shampoings Franck Provo que je prends tout le temps. Mais bon, je retournerai certainement faire un tour dans mon Leclerc pour les trouver. Ou en drive éventuellement, parce que ça peut être bien pratique. C'est un des trucs qu'on trouve sur le drive, qu'on trouve plus en magasin. Donc voilà. Sur ce, je pense que je vous ai tout montré. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, si vous avez envie de m'aider, en allant regarder une petite pub de 30 secondes sur mon uTip. Je serai ravie de vous retrouver à la prochaine vidéo. N'oubliez pas la cloche aussi, les petits pouces en l'air, éventuellement. Et moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye !